wonderland that dream I was in a band I perpetuate my time. I wish I can find my way. I heard you don't hold your breath. I need you now. Alors, contente de vous retrouver pour une petite vidéo tuto. Donc tuto sur une des palettes de Sleek. Hop, voilà, que je me montre à l'endroit. C'est la Garden of Eden, qui est une palette de malade, on est bien d'accord. Donc ce sont des couleurs qui tapent un petit peu, comme vous pouvez le constater, sur le marronné, le vert, qui a des reflets vraiment absolument sublimes. Elle est vraiment très belle, je crois que ça fait partie... de mes palettes favoris au niveau des sleek. Pourtant j'en ai pas mal quand même dans leur gamme, j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, donc j'avais voulu tiens voilà, coucou Maya, fais coucou à la caméra Mimi. donc voilà, donc j'ai voulu vous faire un tuto là-dessus parce que j'avais envie de vert donc sur les yeux. Donc voilà, donc par contre ce make-up ira vraiment très très bien pour les yeux noisettes et verts les filles, ça va déchirer c'est sûr. Donc voilà, donc si ce genre de make-up vous intéresse les filles, je vous laisse avec les explications. Je vais donc venir appliquer ma Insurance de Too Faced. Alors je change un petit peu les filles hein, pour que ce soit pas trop, trop pareil. Et je viens donc en mettre sur toute ma paupière mobile et en ras de cils. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre un crayon de chez NYX. C'est le Milk, le blanc tout simplement. Donc je vais venir le déposer sur toute ma paupière mobile. Grossièrement, je remonte et je vais venir estomper au doigt. Donc ça accroche un petit peu au niveau de la peau, mais ça c'est normal étant donné qu'on a déjà posé une base dessous en premier. Donc j'estompe, j'en mets un petit peu au ras de cils. Voilà. Et une fois que j'ai fait ceci, je vais donc prendre ma palette de Sleek, la Garden... oui, la Garden of Eden, voilà, qui est absolument sublime, qui a des couleurs, vous voyez, vertes, marronnées, enfin, elle est absolument sublime. Là, je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci, donc là, c'est un Babyliss, tout simplement, que j'ai, que j'adore. Et je vais venir déjà prendre la première couleur, qui est une espèce de doré cuivré, qui est absolument sublime. Donc là, je vais venir le prélever, je tape, et je viens le déposer, donc, au-dessus de mon creux. Je reviens bien dans le coin interne. Je fais des mouvements circulaires pour bien estomper la couleur. Je trouve que c'est plus facile. Alors j'espère que vous allez bien pouvoir voir parce que dehors il fait un petit peu gris. Et je n'ai pas d'éclairage. Je n'ai vraiment qu'un éclairage naturel, c'est celui de l'extérieur. Donc j'espère que ça va bien donner. C'est mon petit souci, ça au niveau de mes vidéos. Je n'ai pas d'éclairage artificiel. Donc voilà, c'est pour ça que je vous mets des photos, parce que les photos, voilà, paraissent vraiment comme la réalité. Donc là, une fois que j'ai fait ceci, voilà, je dessine bien mon coin externe. Une fois que j'ai fait ceci, je prends un pinceau boule ou un pinceau précision. Donc là, c'est un ELF Studio. Et je vais venir donc prélever cette couleur-là, qui est la couleur qui est juste à côté en fait. Voilà, qui est une espèce de rosâtre, champagnier, un peu... marronné qui est absolument sublime. J'ai jamais vu cette couleur encore dans les... Pourtant, Dieu sait que des palettes j'en ai. Mais là, celle-ci, je l'avais pas vue. Et donc, je viens le mettre dans le creux de ma paupière, en fait. Hein. Je reste tout simplement dans le creux. Ouais, c'est un rosé vraiment assez sympa. Je trouve très joli. Une fois que j'ai fait ceci, je vais donc maintenant prendre un pinceau. Donc là, j'ai décidé de prendre le pinceau... pinceau à paupières contour brush. Voilà, et là maintenant je vais prendre la troisième couleur de la palette, c'est celle-ci, qui est un aubergine cuivré très clair, un petit peu marronné, qui est absolument sublime également. Donc là je vais le mettre sur le coin interne de mon œil, un petit quart. Alors évidemment il suffit que je fasse une vidéo pour que j'ai mon voisin en face qui se mette sur son balcon. Donc si vous voyez, regardez un petit peu à gauche, c'est normal, je ziote mon voisin. Donc là, je le mets dans le coin interne, un petit quart. Je refais la même chose dans mon coin externe. Un petit quart également. Donc là, hop, une fois que j'ai fait ceci, je vais donc prendre ce vert-là, qui est absolument divin également. Hop,
montre, voilà. Donc c'est ce vert-ci que nous allons prendre. Et je prends un pinceau donc plat, donc assez dense. Donc là c'est un Sephora tout simplement. Voilà. Et donc je vais venir le mettre au centre de ma paupière, là où j'ai laissé donc de la place. En fait, cette couleur se retrouve à peu près au centre de la paupière. Alors, je tapote pour lui donner plus d'intensité. Je reprends cette fois-ci le même pinceau que tout à l'heure pour reprendre la même couleur que tout à l'heure. C'est cette couleur-là que nous allons reprendre en fait pour correctement fondre le vert et cette couleur un petit peu marronnée cuivrée. Voilà. Donc là, une fois que j'ai terminé donc au niveau de ma paupière du haut, je vais maintenant m'occuper donc du ras de cils inférieur. Donc là je vais prendre un pinceau, donc je vais essuyer en fait celui-ci et je vais prendre ce pinceau là de Sephora que j'ai donc préalablement essuyé, et maintenant je vais prendre donc cette couleur là qui est un marronné un petit peu plus foncé, qui est absolument divin également. J'espère que vous allez bien pouvoir voir, voilà, ce marronné là qui est absolument sublime. Donc là je viens le prélever et je viens le mélanger à celui-ci. En fait, on fait un mélange des deux. Et je viens le déposer en ras de cils du bas. Une fois que j'ai fait ceci, je reprends mon pinceau fluffy de tout à l'heure. Je suis désolée, c'est Maya qui a sa crise. Elle court dans tous les sens. Là, je reprends mon doré, que je viens prélever un tout petit peu. Et je viens lui mettre dans le coin interne de mon œil. C'est un Kiko et c'est le 168. Enfin, n'importe quel blanc ira, hein, de toute manière. Hein. Voilà, donc après là, je prends donc un pinceau fluffy. Je viens donc prélever l'écureuil. Je tape. Et je viens donc le mettre délicatement sous mon sourcil. Et je reste vraiment bien dessous pour ne pas mordre sur le doré que l'on a mis tout à l'heure. Je viens un petit peu dans le coin, à terme. Voilà. Maintenant, je vais tracer mon trait noir. Et pour tracer mon trait noir, je prends l'Ultimate Paint de Kiko, qui est un très très bon eyeliner. Moi, je suis habituée au L'Oréal, en fait, au Super Liner Perfect Slim. Et vraiment, celui-là est pas mal. Il est un petit peu moins cher et donc il fait tout aussi bien son boulot. Donc là, je vais venir tracer mon trait noir. Et donc là, pour faire une virgule, on va en faire une toute petite en fait. Hein. En muqueuse, je vais faire un mix de deux crayons. Donc le premier, ça va être... Alors c'est pas un crayon, j'ai toujours crayon, c'est pas un crayon. C'est une Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. Moi, je les supporte très bien en muqueuse. Alors Dieu sait que j'ai des muqueuses assez sensibles. J'ai les yeux qui rougissent facilement. Enfin bref, je suis un petit peu compliquée là-dessus. Donc ça, c'est le 10. Elle est absolument sublime. Enfin, regardez-moi cette couleur, les filles. Elle est hyper belle. Je vous la swatch pour que vous puissiez bien voir. Regardez-moi ça. Oh, elle est sublime. Voilà. Alors ça, c'est la 10. Si vous voulez vous faire plaisir, allez acheter celle-ci parce qu'elle est super. Donc là, je la mets en ras de cils. Elle est très pigmentée, enfin c'est impressionnant, je trouve qu'en muqueuse ça fait super beau. Et donc par-dessus, comme je voulais un vert qui se rapproche de celui que j'ai en fait sur la paupière, je vais mettre un Glamourious Eye Pencil de chez Kiko, le 412. Alors c'est un vert un petit peu couleur herbe, ce que j'appelle moi couleur herbe. C'est celui-ci. Celui-ci tout seul, je ne peux pas le mettre en muqueuse parce qu'il est vraiment pas agréable, je trouve. Donc le fait de mettre le vert en premier qui est assez, qui glisse tout seul sur la muqueuse, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc je vais mettre celui-ci également. En mascara, j'ai voulu prendre le Dark Kohl Beautiful Volume de Bourjois, qui fait partie des derniers mascaras de Bourjois, qui est absolument super beau. En plus, il est trop mignon et il a une brosse assez spéciale, mais il fait bien son boulot, je l'aime beaucoup. Donc c'est une brosse un petit peu, voilà, un petit peu, j'ai jamais eu ça de ma vie. Donc voilà, donc je vais venir appliquer deux couches. Maintenant, on va passer donc tout ce qui est contouring et blush. Alors, je vais faire un petit contouring très très lumineux. Donc, je vais y aller mollo parce que
Ce truc là était hyper pigmenté et hyper lumineux. Et ce truc là c'est le Betty Lou Minerger de The Balm, qui est, les filles, il est hyper beau. Je vous en ai déjà parlé. Regardez-moi cette merveille, il est so beautiful. Et regardez-moi ça, c'est hyper lumineux, je vous l'approche. Et c'est une couleur de folie, on est bien d'accord, voilà. C'est très très lumineux, donc il peut s'utiliser sur les paupières, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc là, je vais prendre ce petit pinceau-là, je vais venir donc le déposer dessus et je vais me faire mon petit contouring. Donc dans le creux des joues, je remonte, vous voyez, c'est très pigmenté. Je reviens dessous en fait, hop, je vais pareil de l'autre côté. Ah, une fois que j'ai fait ceci, je vais estomper la chose. Alors, comme mes kabuki sont en train de sécher, j'en ai deux, ils sont en train de sécher. Donc, je vais venir estomper comme je peux avec un pinceau de ce qui me reste en pinceau donc sec. Donc, ça va être un pinceau biseauté. De toute façon, ça fera bien l'affaire. Hein. Je vais donc estomper tout ça. Voilà. Il faut absolument estomper les filles, sinon ça ne fait pas naturel, ça ne fait pas très très joli. Donc, voilà. Donc là, une fois que j'ai fait... Regardez-moi ça, c'est trop beau. J'adore cette marque, je suis complètement fan. Ensuite, je vais donc prendre maintenant mon blush. Et là, en blush, j'ai voulu prendre un blush un petit peu orangé. Orangé, pourquoi? Parce que quand je mets du fard à paupières vert, j'aime bien mettre du blush orangé. Vous ne voyez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Et donc là, j'ai voulu mettre donc mon Chanel. Mon chouchou que j'aimerais bien voilà, réussir à ouvrir. Que j'aime énormément. Il sent, mais ça sent hyper bon les filles, c'est un truc de folie. Là au niveau de la couleur, vous allez, enfin, il est hyper sympa. Enfin, c'est un truc de folie là aussi. Voilà. Enfin, il est abricoté, c'est un vrai abricoté doré qui sent divinement bon. Donc là pareil, je n'ai pas mon kabuki. Donc là je vais prendre un pinceau comme ceci. Alors je vous avoue, je ne l'ai jamais fait, ça va être une grande première. Donc au niveau de l'application, j'espère que ça va le faire. Et donc là je vais venir le déposer donc, sur mes pommettes. Quoique c'est pas mal ce genre de pinceau pour mettre le fard à joues. Voilà, je vais parler de l'autre côté. Et maintenant je vais donc mettre un highlighter. Et mon highlighter d'amour, mon chouchou, mon tout ce que vous voulez, c'est le Marilou Luminizer de The Balm également, qui est un super illuminateur. Les filles, il est sublime. Je vous le conseille vraiment si vous ne connaissez pas. Mais regardez-moi ça, mais c'est... Voilà. Et là, de suite, hop, je vais essayer de capter un petit peu moins d'éclairage, je ne sais pas. De suite, il est sublime, c'est vraiment un très très bon highlighter. Donc là, je vais prendre un pinceau biseauté et je vais, alors attention, c'est très pigmenté, le mettre sur l'os de ma joue. Je remonte sur la tempe, je ne vais pas plus loin. De même, de l'autre côté. Sur l'arête de mon nez. L'arche de Cupidon. Et en rouge à lèvres, j'ai voulu prendre un Kiko parce que j'affectionne énormément ces rouges à lèvres là, les filles. Voilà, c'est ceux qui ont ce packaging là et qui s'ouvrent donc par le haut. On est d'accord, hein, voilà. Ce sont de très très bons rouges à lèvres, je les aime beaucoup. Ils sont très pigmentés, ils tiennent vraiment très bien, ils ne dessèchent pas les lèvres. Enfin, je les aime énormément. Et donc là, c'est le 710 qui est absolument divin. Je pourrais pas vous l'écrire parce qu'il est vraiment... Il est sublime quoi, c'est vraiment, c'est une espèce de prune rosâtre un petit peu, enfin il est sublime. Donc je vais venir l'appliquer. Donc cette petite vidéo tuto est terminée donc sur la palette Sleek. Donc je vous les recommande, vous pouvez vous lâcher les filles, ce sont des super palettes. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner les filles, c'est très simple et c'est gratuit. Alors profitez-en, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très vite sur ma chaîne. And I had a butterfly feeding and I